Bon, faut espérer que ça coupe bien du bois, ça. La bière du démon. Le bordel là. Je crois que l'Estève va nous donner, il n'y aura pas besoin de voir des parcs. Excusez-moi, le bordel, c'est Bon alors, ça cuit ou ça cuit pas? Ah, moi je dis c'est bon. Hein. C'est bon, hein? Ah, par contre, là. Il fait chaud? Ah ouais, c'est long. Après, il y a un genre de chemin encore de dessiner. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais, il est plus fin là, le chemin, ça doit être ça. Et au moment où ça tourne d'un coup à droite, il faudrait qu'on poursuive tout droit. Tu vois ce que je veux dire là? En fait, il est tout de suite bloqué, il n'y a plus rien après. Comme s'il y avait plus de chemin. Comme si j'avais voulu en faire un, mais tu abandonnes. C'est un chemin ça ou pas? Est-ce que c'est un chemin ça? Non, en fait, ça commence comme un chemin, mais 5 mètres après, il n'y a rien. On croirait qu'on est en bout, là. Tu vois ce qu'on est là? Parce que l'autre, il y a un croisement.
Il y a pas mal de bois là, du coup. Ouais. Donc voilà, là on est donc perdu. Donc le premier groupe est parti sur la gauche. Nous on part sur la droite. Et puis ben voilà, on descend. On est en contact radio avec l'autre groupe. Et donc voilà, on y va à la recherche des grottes de la Valette. Donc là, nous arrivons à une bifurcation. Un choix s'impose, à droite ou à gauche. Bon, et ben le choix est fait. On va aller à gauche. LP, tu me reçois? Tu m'entends, LP? Allô, allô, ici la Terre, Mars, me recevez-vous? Ah, je te reçois hyper mal, tu peux répéter? Bah écoute, de mon côté, on a un sentier qui descend vers la gauche. On en a un autre qui remonte vers la droite, mais de visu comme ça, pas de droite. Bah, vu que vous avez beaucoup tourné à droite au départ, mon avis, celui de la gauche serait sans doute mieux. Mais je pense qu'on va peut-être le faire ensemble. Parce que là, en tout cas, celui qu'on a pris, on ne peut pas le faire avec les sacs. Ok, bon ben ce qu'on va faire, on va revenir au point alpha et puis on repartira. Ah, je t'écoute. Vous avez entamé le retour? Non, on attend Carotte qui est en train de scruter la carte. Ah, parce que nous on patiente, mais en fait on aimerait avancer. Ouais, mais allez, c'est bon. Je motive Carotte et dans 30 secondes on entame la montée. Ouais, on verra. Ok, parce que là on a un poids lourd qui est en train de gerber, on voudrait s'en débarrasser. Je sais, ouais. On arrive, c'est bon, allez, on lève le camp, on arrive. Allez, de suite. Terminé. LP de Did. C'est bon, on entame la remontée. En toute logique, oui. Ensuite, tu sais, hein, on verra. Hein. Ouais, on s'est passé.
Tous les chemins mènent à Rome. Oui, j'avais pas prévu de passer par là, moi. Moi non plus, mais bon. On va reprendre les sacs, on va se mettre sur la terre, c'est sûr, là, je pense que c'est bien là. Mais on va regarder en haut. Ouais, parce que là on remonte 180 et là on descend. Là on est à 517 à peu près. Ça correspond à ce qu'on a vu. Voilà, parce que nous on a vu des trucs par là-bas. Et si jamais on va là, on n'y est plus dedans là. Donc là encore une fois, grande réflexion sur le chemin que nous devons prendre. Heureusement qu'il ne pleut pas. C'est déjà ça. Je vais enlever mon sac parce que je n'ai pas droit. Hein. Bon, là j'avoue, on est complètement paumé. Donc, paumé pour paumé, on continue. Bon, ben après une heure et demie de marche, ben on continue de marcher. On n'a toujours pas trouvé de point de repère pour aller au niveau des grottes. Bon, ben là on est carrément hors sentier. C'est un petit peu de la brousse. Mais bon, on continue. Allez, voilà, perdu dans le creux du lit d'une rivière. Que la clarté du temps va tomber, ben on improvise un bivouac. Vous dire que c'est la guerre. Ah, c'est pas marrant. Alors. Ah ouais, mais là, ça va même pas être un bon feu là. Là ça va être un feu, mais démonter le feu là. La Saint-Jean, quoi, tu vois. Voilà Saint-Jean. Ouais. Pareil. Bon, alors les gars, première journée. Que pensez-vous de cette journée? Et je démissionne. Tu démissionnes? Ouais. Ouais. C'est fini, ouais. Je veux vivre ça toute ma vie maintenant. Je veux dire, je démissionne de mon taf.
Ouais, tu vois, il part le feu. Ouais, ouais. Vas-y, c'est le temps. Tu peux pas orienter la fumée un petit peu plus à gauche. Avec le temps, va tout s'en va. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on est dans le lit d'une rivière asséchée. On espère qu'il pèdera une... Ouais, qu'il pleuve pas. Parce que là, s'il pleut... Donc ouais. Le truc à ne jamais faire, un campement dans le lit d'une rivière, faut jamais faire ça. Vous verrez les conséquences demain. Mais bon, là on n'a pas le choix, on est tellement fatigué que... Yeah. Voilà. Regarde ta semelle. La semelle là, fais gaffe, elle est pas dans le feu. C'est la vie, hein. C'est dommage que t'as pas filmé la mâchoire aussi là. Et la bestiole là, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis faut pas tomber dessus. Ouais, on a tout, ouais. De quoi? Et vous avez tout, pas trop vite, on n'entendait pas beaucoup d'oiseaux. On n'entendait pas beaucoup d'animaux. Et puis dans le temps pas là. Bah, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, mais je sais pas. Alors, en plein pampa, et il y a des moments où il n'y a rien, pas un bruit d'oiseau. Ouais, mais ici c'est mystérieux. J'ai pas fait gaffe. C'est mystérieux. Écouter, on n'entendait rien. C'est mystérieux là. C'était trop bizarre. Je crois qu'il y a le fantôme de là. Là, on sera mort avant d'arriver. Je pense que c'est ça qui m'ennuie. Ouais. Il me reste un peu. Enfin, il me reste, ouais, il doit me rester moins de minutes. Bah ouais, je vais prévenir, moi, les gars. Petit matin. J'allais mourir quand même, j'arrêtais les temps, quoi. Réveil dans le lit. J'aurais été un gaz. Une rivière asséchée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Va vite, quoi. Ouais, on va la faire bouillir. Il faut la trouver, t'as vu, en fait. Il n'y a pas loin de la bouteille d'eau. Quand on descend un peu, il y en a en bas. Oh, mais pas une vieille plaque qui se mouille. C'est toute jaune. Ah, regarde comme la guerre. Ouais. Ah, sérieux, mon gars. Moi, j'ai rendu les armes à ce temps-là, tu sais. Ah, les troufions, c'est notre troufion. Il n'y a que des mecs qui aident à l'enlever. Ouais, mais non, mais. Parce que les mecs, ça se finissent comme ça. Ah ouais, j'ai pas la photo de mon endormi. Pour la mettre à mes petits enfants, je pense que c'est mieux. Bon, alors les gars, votre pensée là sur. La pensée là entre hier et aujourd'hui. Moi je pense plus à rien là. Original. 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 Ça, on n'aura pas eu une botte. Ça, elles font ces petites crottes. Je suis content de l'avoir fait, mais je le referai pas. Ça, ouais, ça va, quoi. Pire que des vivines, ça. C'est bon.